Bonjour aux nouveaux et rebonjour à ceux qui sont de retour. Si vous souhaitez supporter la chaîne, vous pouvez souscrire à notre Patreon pour avoir accès aux codes sources des séries et des projets à venir. Vous pouvez aussi rejoindre notre Discord qui est public. Si vous êtes intéressé par les jeux vidéo, vous pouvez souscrire à ma deuxième chaîne. Autrement, like, comment, subscribe pour booster l'algo de la chaîne. Tous les liens sont dans la description. Bon visionnage. Et nous sommes de retour sur notre petite série concernant. Node.js et dans les prochaines vidéos à venir, on va commencer à créer une petite application qui sera probablement une to-do list. N'est-ce pas? On va créer différents to-do, on va créer des utilisateurs, on va voir un petit peu comment créer un, un formulaire pour se connecter, pour s'enregistrer, comment stocker tout ça dans une base de données, comment faire des requêtes avec une API, etc. etc. Donc dans cette vidéo, on va installer tout ce qui est nécessaire à la création d'une API, parce qu'on va créer la nôtre. Donc on va créer une REST API, je vais vous expliquer ce que c'est REST API dans cette vidéo. Et euh, à la fin, on verra comment installer Postman. Pour ceux qui connaissent, voilà, on va installer Postman et on verra comment l'utiliser. Premièrement, on va faire quelques commentaires ici, juste pour voir ce que c'est REST API. Donc vous l'avez sûrement déjà vu, hein, si vous avez... Et de la programmation pendant au moins quelques semaines, c'est probablement un terme que vous avez déjà vu, donc ça veut dire Representational State Transfer et API hein, veut dire donc Application Programming Interface. Voilà, ça c'est ce que REST API veut dire. Maintenant, une API, qu'est-ce que c'est C'est assez simple, c'est simplement un outil pour programmer et ça peut venir sous plusieurs formes, ok Donc c'est un outil. Bah c'est pour vous aider à programmer. Donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être un module NPM, ça peut être un module que Node nous donne, donc par exemple, lorsqu'on utilise ici Validator, ça c'est une API qui nous donne accès donc à certaines fonctions pour pouvoir valider nos, nos différentes données sur Mongoose. D'accord On a aussi par exemple certains, certaines fonctions qu'on peut utiliser, hein, comme on avait vu sur Node. Alors, par exemple, lorsqu'on utilisait FS pour lire et écrire sur nos différents fichiers, ça aussi c'est un API, enfin une API que Node nous donne. Ok C'est tout. Ça c'est l'API. Maintenant, qu'est-ce que reste Qu'est-ce que reste veut dire Ça va simplement permettre à un client d'accéder et à manipuler certaines ressources en utilisant des opérations qui sont prédéfinies. Donc, on va utiliser le fameux crude. Sauf que, avec reste, ça va être des mots-clés spécifiques. On va voir ça juste après, ne vous inquiétez pas. Mais par exemple, une ressource, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un utilisateur. Ça peut être un to Ça peut être autre chose. Mais c'est une ressource. Une opération, comme dit, c'est simplement la possibilité de mettre à jour un to -do, de le supprimer, de créer un to do, donc les différentes opérations qu'on a vues avec le CRUD, hein, donc le create, read, update, delete. Et on va voir les différents mots clés qui vont venir avec REST, parce que chaque opération du CRUD va avoir son propre mot clé. Alors, comme dit, ça va permettre à notre application de accéder, alors, d'accéder, d'accéder et manipuler des ressources en utilisant des opérations prédéfinies. Ok? Donc par, je dis un hein, ressources, ce sera par exemple un utilisateur ou un to do. Et ensuite une opération, ce sera simplement donc créer, euh, créer un tout do, euh, supprimer un to do, euh, supprimer un utilisateur. Etc., etc., vous avez compris le truc. Voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer sur un outil pour pouvoir vous expliquer un petit peu comment le REST API fonctionne. C'est tout nouveau sur le channel. C'est un concept que j'ai mis en place déjà avec mes cours payants. Mais je vais essayer d'introduire sur YouTube pour voir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me mettre des retours hein, sur l'outil le, 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 que je vais utiliser. Ok, alors on est de retour. Et donc, je suis avec euh, ma petite créée. Voilà, on va voir un petit peu comment ça va fonctionner. Alors, on va avoir un échange, je crois qu'il arrive. Donc, on a nous, notre client, donc ça peut être notre application web, ça peut être n'importe quoi. Donc ici, hein, comme dit, ça va être... Alors, je vais mettre ici, app, d'accord Et ensuite, on va faire une requête vers n'importe quoi. Ça peut être une requête vers un serveur, une base de données, etc., etc. Donc ici, à droite, on va avoir notre base de données. Donc je vais mettre encore un petit cercle, peu importe si c'est pas c'est pas très rond. Hein. Donc là, ça va ici par exemple être la DB, ok. Et nous, on va avoir une requête, ok. On a alors, peu importe qui on est, on peut être par exemple, donc ici le, la personne qui va faire la requête, ça va être nous par exemple, et on veut créer euh, une nouvelle, un nouveau to do list. Donc ça peut être n'importe quoi, encore une fois. Donc on va faire une requête vers notre DB pour créer justement ce fameux tout doux, donc on va avoir une première flèche qui va aller jusque là. Donc, ici encore une fois, on va créer un tout doux. 1 hein Voilà, et le mot clé qui va être assigné sur la création d'un tout doux sur notre crude, ça va être create. Ça, vous êtes d'accord, on l'a déjà vu dans la vidéo, dans les vidéos précédentes. On avait vu les différentes opérations. Cependant, le mot clé qui va être associé avec notre REST API, ça va être le mot-clé. Alors, vous l'avez sûrement déjà vu, ça va être post. Comme ceci. Ensuite, ça va mettre post vers quelque chose de, de vers notre base de données. Donc, ça peut être post/slash. Et après, ça peut être par exemple quelque chose qui va s'appeler to -doze. Voilà, donc on fait post/slash to12. Et ça, ça renverra justement une requête vers notre base de données. Donc, la DBL, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va recevoir les données. Okay, donc elle va recevoir la, la demande de création, elle va confirmer que c'est bien l'utilisateur, donc euh, on va mettre id ok, et après elle va donc créer, donc création, création du to do. Hein et ensuite la DB va renvoyer donc ici vers notre application un statut, donc ça va être le statut 201, et ça va donc être une requête, une requête JSON, voilà. Donc c'est à peu près comme ça que ça va fonctionner. On va avoir notre client, donc notre application qui va renvoyer un, quelque chose vers notre base de données. Dans ce cas là ici, ça va donc demander de créer un to-do. Et ça va donc être le fameux create. Et ça va utiliser le mot clé post slash to dos Donc ça va être en fait la, la collection où se trouvent nos différents to-do list. Parlons de enfin, différents, euh, différents to-do tout simplement. Donc on va voir un petit peu, enfin on va, on va lier... Les, les opérations de notre crude avec les, les mots clés qu'on verra par la suite. Alors vous pouvez vous les noter si vous voulez. Euh, personnellement, je vais les mettre ici parce que je les connaissais de toute façon. Donc on a create, create. Là, on vient de le voir actuellement, ça va être post. Ok. Ensuite, on a read. Donc read. Read, ça va être get. Ensuite, on va avoir update. Donc, crud, on les prend dans l'ordre. Update. Et ici, update, ça va être patch. Comme ceci. Et enfin, on va avoir delete. Alors, je peux peut-être éventuellement descendre un petit peu pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Donc, ici, on a delete. Et delete, ça va être, bah ça va être delete. Ça va être la même chose en fait. Donc ici, les quatre opérations que nous avons, le fameux CRUD, hein, ça va être représenté parce que nous avons ici avec notre REST API. Voilà. Donc create, c'est post. Read, c'est GATE. Update, c'est patch. Et delete, c'est delete. Donc nous sommes ici maintenant sur le site de Postman. Alors je suis directement allé sur la page de téléchargement. Je vous mettrai encore une fois le lien. Dans la description, ici. Donc, vous appuyez sur le bouton pour télécharger le setup. Donc, ça dépend encore une fois ici de votre architecture. Ça peut être macOS, ça peut être Linux, ça peut être Windows 32, même si personne n'utilise le 32 bits de nos jours. Mais, encore une fois, ça dépend de ce que vous avez. Donc, télécharger 64 bits. Vous, vous appuyez sur le setup, ça va directement, ça va prendre un petit peu de temps pour s'installer, et ensuite ça va directement lancer l'application, et vous aurez ce menu là, donc vous pouvez vous connecter, créer un compte. Ce n'est pas nécessaire, vous pouvez directement ici appuyer sur skip and go to the app. Une fois que vous êtes à l'intérieur de Postman et que vous avez donc passé la création de compte, eux que vous avez créé votre propre compte, donc ici la première chose qu'on va faire, c'est aller dans Settings et on va changer le thème. On va se mettre en Dark. Et on va aussi aller dans général alors j'avais déjà changé ça il me semble vous avez font size ici on va mettre 14 pixels voilà donc ça, ça sera la, la taille de la police dans l'éditeur qu'on verra juste après pour zoomer et dézoomer vous utilisez ctrl plus et ctrl moins alors vous pouvez pas passer par le par le pavé numérique pour utiliser les, les touches hein, qui sont en haut donc 1 2 3 4 5 6, 7 8 9 10 enfin 0 puis, vous avez contrôle vous avez le, le égal à la toute fin vous pouvez zoom, zoomer et après vous faites CTRL 0 pour revenir par défaut. Voilà, donc vous pouvez zoomer, on va zoomer un petit peu. Donc ici, nos différentes requêtes vont être sauvegardées dans ce qu'on appelle des collections. Donc ici, vous pouvez créer une collection pour, pour faire simplement un test. Vous faites test, vous appuyez sur entrée, votre collection va s'appeler test, on va l'ouvrir. Et ici, ça va mettre, donc, mettre une requête. Donc mettre que la collection elle est, elle est vide. Donc on va créer une requête. Donc ici, on va créer une GET request. Donc là, vous avez votre mot clé, votre opération. Vous avez plein. Vous avez GET. Vous pouvez voir, on va en voir plusieurs. Vous avez GET, POST, PATCH, DELETE. Ça, ce sont les quatre que nous avons vus ensemble. Évidemment, vous en avez d'autres hein, parce que les... ça, c'est les plus basiques. Mais nous, on va voir GET. Et ensuite, vous avez donc les différents paramètres de votre query, donc de votre requête. Vous mettez ici votre URL. Alors, on va utiliser. L'API WeatherStack que vous avez ici, donc celle qu'on avait utilisée dans les vidéos précédentes, on va prendre le, le lien ici, on va le coller là, d'accord Alors, il n'y a, a pas de saut hein pas de saut de ligne, et on va mettre ensuite ici, donc le lien de notre endpoint, donc c'est slash current, comme ceci, ça c'est notre lien, et après il faut mettre des paramètres. Donc la première clé, c'était donc access key, donc on va mettre ici access key. Ensuite on va prendre notre clé, bien sûr, hop, voilà on va mettre la valeur. Vous pouvez voir que le lien s'est mis à jour en haut. Hein on a bien le point d'interrogation et ensuite on a access key et après notre clé. Et le deuxième paramètre, donc c'était ici query. Donc ici la clé sera query. Et après la valeur, on va mettre par exemple Paris. Voilà. Et donc, après, vous pouvez mettre une description pour expliquer ce que c'est chaque clé. Et vous pouvez en activer ou en désactiver. C'est vous qui voyez. Ou alors, vous pouvez carrément les changer de place. Et vous pouvez voir que ça va aussi changer dans le lien en haut. Ensuite, vous appuyez sur Send. Donc, ici, ça va envoyer la requête. On va recevoir un statut 200, comme quoi la, la requête a été bonne. Le temps qu'a pris la requête. Donc, qu'est-ce qui a pris du temps Donc, on peut voir ici Transfer Start, c'est ce qui a pris le plus de temps. La taille. De notre réponse et après on peut la sauvegarder et ici vous pouvez voir que vous avez donc le fameux request location current comme on avait vu justement dans les, dans les vidéos précédentes on avait vu comment utiliser ces différentes données et vous avez donc le nom le pays la région latitude longitude l'heure la, qu'il est actuellement et après vous avez les différentes informations donc la, la vitesse du vent la pression, l'humidité et la température ici. Voilà donc on peut voir que on a bien les différentes informations qui sont renvoyées via notre API et qu'on a bien pu faire un test directement dans Postman et c'est donc ça qu'on va utiliser pour faire nos différentes requêtes à l'avenir.